Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, il est 18h. Est-ce qu'on peut dire bonsoir à Aïe, aïe, 18h? aïe. Bah c'est la première fois, mais je crois qu'on Bon. va dire bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est marqué sur l'écran. L'Xbox? A changé de prix. Elle est tout à partir de 21 à 109 euros. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Non, arrête! Non, on n'a plus le droit de le faire, sinon on est attaqué en justice. Non, on Non. n'a plus le droit si on les montre. Ah. Oui, ce n'est Tu qu'une sais, réinterprétation. ils ont réussi à flag ma vidéo YouTube et à la faire supprimer, mais j'ai utilisé l'outil flouter la tête. Oh, et ça a marché? Ah oui, ça a Oh, c'est marché. beau! Oh, c'est beau! Bravo. Vraiment un expert en droit Leur numérique. avocat, il a vu ma technique, il a fait niqué. Il est fort. Il est doué. On va jouer à Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. C'est marqué sur l'écran, regardez-moi ça. Tom Clancy's Breakpoint, qui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, est sorti sur PC, Xbox et PS4, mais malheureusement pas sur Game Boy Color. Il y aura 2-3 déçus, mais. Mais la bêta est ouverte. Jusqu'au 29. Jusqu'au 29. Le Ouais. 29. Oh, Ouais. le jour où se termine, le September. Il faut vite en Non, profiter je d'ailleurs. crois que le September est déjà terminé, Damien. Oh, C'est triste, non? fuck! Fuck! Ouais, c'est pas grave. Nos Ah, abonnés il est sont mort. riches, ils n'ont pas besoin du September comme tous les autres C'est vrai, pauvres c'est de pas des Twitch. vulgaires gueux là. Les gueux de Twitch. Alors. Commencez. J'ai cliqué sur Attends, commencer. j'ai cliqué sur mon perso moi. Et ça me lance un truc. Donc je ne sais pas. Ah! Si, Bah moi c'est bon je vais faire ou un non. nouveau perso peut-être pour montrer l'intro aux gens. Hey, je vais devoir le faire aussi puisque je suis en vidéo. Ah, Ouais, vaudrait mieux qu'on comprenne le scénar, tu vois. ah putain, attends. Ouais, je Moi je veux quitte. voir le scénar, hein. Revenir à l'écran titre. Oui. Non, parce que on a lancé le jeu tout à l'heure pour faire les réglages. Et vous avez loupé l'intro, alors du coup on va vous relancer le tout pour que vous puissiez bien profiter de tout ça. Bah ouais. Alors. T'as baissé le son aussi, fais gaffe. Oh oui, mais je suis streamer en Sinon fait, t'as peut-être oublié. on va prendre cher. Alors, on va se mettre en extrême parce qu'on n'est pas des. Non, on va se mettre en On va se mettre en standard, star parce qu'on est extrêmement standard comme gens. on sait jouer aux jeux vidéo, mais on fait des blagues, ce qui fait qu'on peut pas forcément atteindre un niveau extrême. Alors, va falloir qu'on lance en même temps le Et bah quand on sera l'intro. prêt à la fin de notre création de perso. Parce que sinon. Est-ce que je regarde l'intro? Oui. T'as lancé l'intro là? Fallait pas? Ouais, je voulais qu'on la voie ensemble. C'est pas grave. Mais moi ça a chargé. Enfin, je parle de l'intro là, ça me parle de Aurora. Je sais pas, je suis en chargement, on verra. On dirait l'île de Jurassic World. Vous voyez toutes ces blagues, vous les comprendrez dans quelques secondes. Ah, parce Voilà, que t'as toujours pas bienvenue démarré. sur Aurora. Ça y est, bienvenue sur Aurora. L'incubateur Gnome 2.0. Je m'appelle Jace Kell et nous vous attendions. Si En vous vrai, avez je été pense que si invité Google ici, avait une île avec ses c'est employés, pour il ressemblerait innover à ça. et créer. Ouais. Franchement, Mais oh là là, des nous avons bras aussi une autre tâche robotiques. à vous confier, Des la jets plus privés? importante de votre vie. Non, des drones. Ah, vous entendez Ici, ça? Ça, c'est des blagues à passées. l'écart C'est du en rapport monde, avec ce que j'ai vu il y a une minute. nous créerons les outils destinés à entraîner la planète dans l'avenir. Une économie durable, un environnement florissant, On dirait qu'il est pas sûr de des lui quand il le dit. foyers sûrs Des pour vous et foyers votre famille, sûrs. et une communauté qui célèbre l'innovation. Les générations Pourquoi? suivantes oublieront peut-être notre Ah, je suis dans existence. l'hélico, moi. Pourtant, c'est grâce à notre travail qu'elles prospéreront. Mais attends, j'étais pas censé créer mon perso? Ah si, Merci c'est après. d'avoir rejoint Scaltech sur Aurora. Oh non, ils se font à coup! Toujours dans l'avenir. Et hop, à coup. C'est bon, je suis dans le menu de création du perso. Moi, pas encore. Nous t'attendons. Ok.
Cela est long. Où en es-tu? Je vais bientôt faire un personnage, je pense. Ça y est, personnaliser l'apparence. Bah déjà, je vais être une meuf. Ok, là, pas de soucis, je vais être un homme pour équilibrer. Ok, je serai une meuf. Et celle j'aurais de base... choisi femme avec, avec plaisir, hein, mais bon, celle de base me plaît. Elle aura les yeux bleus. Et même sa coiffure me plaît. Hein. Générique, j'aurai les yeux bleus ainsi que une coupe parfaite avec des cheveux bruns. Ouais, bien. Une cicatrice. Tu savais que j'avais une cicatrice sur le visage moi aussi qui partait du haut du front et qui traversait le côté de mon œil et qui allait rester sur ma joue. Waouh, mais comment tu te les fais, Damien? C'est fou. Bah, figure-toi que c'est pas lors d'une rixe avec 5 voyous, mais juste parce que j'avais un canif quand j'étais petit qui s'appelait Velours. Et je l'embêtais sous la table et Velours il m'a mis un coup de patte. Et du coup, bah, je cicatrise. Ah, yeah, c'est pas un requin, putain, c'est Velours. Voilà, donc. ouais, moi, j'ai fait une très belle femme, mais malheureusement, elle s'est brûlée toute une moitié de son visage. J'étais sur le point de tomber amoureux, malheureusement. Non, tu vois, c'est trop con, tu vois, elle a toujours bien fait son métier, jamais de danger et tout, puis un jour elle a pris une tarte dans le four et malheureusement elle a pas mis sa main, elle a mis sa tête, un petit moment d'inattention, tu vois, là, c'est con. Moi j'ai fait un mec, je te cache pas que c'est mon portrait craché, d'ailleurs au montage 6 juin, une photo de moi et une photo du mec. Ouais, moi aussi c'est copier, mon portrait coller. Craché. Un peu de mon zeste, moi. Attention, je vais cliquer sans choisir ses apparences. Ah merde, je l'ai fait. Oh putain, merde. Ah, je l'ai fait. Alors Damien, ne panique pas, mais je te spoil, il va se passer quelque chose, Damien, ne panique pas. Je vois mon perso qui commence à paniquer. Ne panique pas. Trop tard, c'est pas... je panique. C'est comme quand dans les avions, je pense que dans les avions, si on s'écrase, ils disent ne paniquez pas. Je pense vraiment. Mettez votre masque à gaz. Elle a mal. J'ai mal. Moi il a. Moi c'est un bonhomme, ça se voit, c'est genre il a mal mais. Il a ça drop de fou. Ah merde, depuis quand? Attendez, attendez, on va baisser, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Le PowerPoint moi, est bientôt. Ça drop pas? Non, parce que vous êtes évidemment avec un PC de compétition. Voilà, je tombe de l'arbre et maintenant on va arrêter le PowerPoint, vous inquiétez pas. Ah ouais, oh, l'hélicoptère c'est complètement... Il y a peut-être des survivants. Vous inquiétez pas. Depuis il m'a spoilé que je tombais de l'arbre, merde. Okay. Ça marche. Non, putain. On va aller investiguer, vous inquiétez pas. Bon. Je vais vous le passer, c'est pas très agréable pour vous. Alors, mec, je crois que j'ai vu une fonctionnalité du jeu tout à l'heure que j'ai trouvé incroyable. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Mais... Alors, je l'ai vu, enfin, j'en ai vu une aussi où j'ai rien dit parce que je trouvais ça fantastique. Ouais, alors, moi j'ai rien dit aussi, mec, parce que. Je crois qu'on a vu la même. C'est alors... la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo et je l'ai trouvé incroyable. Vidéo. On va. Attends, tu niques mon immersion de la cinématique. Alors, vidéo, paramètres vidéo. Parce que moi, il est en train de prendre un flingue et tout. Je vais les mettre en élevé. Putain, il m'a niqué mon intro. Attendez, brouillard volumétrique, vous voyez ça par exemple? Ah, ça fait super mal au PC ça. Chez moi, ça drop pas, d'accord. Ok. Oui, on va être gentil avec le jeu. Voilà. Soignez blessure, oui. Avec grand plaisir. Oh merde. J'espère que j'aurais pas relancé le jeu quand même. Est-ce que tu crois que les soldats qui vont en mission à l'étranger, ils ont des trucs dans leur première trousse de secours, genre mercurochrome? Je crois que l'armée a un partenariat avec mercurochrome. C'est cheap quand même. Ou alors non, tu sais, un truc mais un peu pour les faibles, genre de la biafine, genre quand t'es brûlé. Genre, ça pique. Donc, ouh, de la biafine. Ouh. Tu crois qu'ils ont des doliprane? Ouais, tu sais, genre des trucs un peu blessures mineures, des genre des pansements tout petits. Oh les gars, quelqu'un aurait pas un doliprane, j'ai super mal au crâne là. Les gars, quelqu'un a un spasmon. Ok, je lag plus.
Bah cool. J'invite Terracid. Alors non, par contre, je vois les gens qui disent du Smecta, excusez-moi, mais je pense que c'est primordial si tu pars en mission à l'étranger, parce que autant t'as mal au crâne, t'as mal au ventre, tu peux avancer, autant t'as la chiasse, je pense que t'es en mission extrême, t'es obligé de prendre du Smecta. Je suis sûr qu'il y a déjà un mec à la guerre qui s'est fait buter dans les fourrés parce qu'il est. Tu sais, il s'est mis dans des fougères pour chier un coup, il avait plus le choix. Et bam! Une balle dans la tête. Le Smecta sauve des vies. Ah, tu te connectes à moi sans que je t'ai invité à le faire! Incroyable. C'est un peu impoli, mais en même temps c'est très pratique. Le Prozac, ouais, non, ça c'est pour ceux qui vont pas bien à la guerre. C'est bon. Oh mais non, mais Ah. j'étais soigné. Oh. Alors attends, j'en profite que tu sois à terre pour te montrer ce que j'ai vu, mais Alors j'ai certainement vu la même mets-toi chose. derrière moi, sinon je te vois pas là. La caméra tourne autour de moi. Alors attends, Voilà, vas-y. comment j'ai fait tout à l'heure? Attends. Attention, je te vois plus. Attends, comment j'ai fait? La caméra tourne trop, j'ai presque fini. Attends, attends, j'essaie de trouver comment. Ah! Attends, ouais, tu me vois là? Putain, mais je sais tellement ce que t'es en train de faire. Tu me vois? Alors. Oh, je te vois plus! Mais... Mec, t'es où? C'est vrai ou pas? Non, T'es je où, suis je sous te la vois gueule. plus? Non, je me fous de ta gueule! Mais mec, c'est Mais incroyable, c'est t'es où? incroyable! J'imagine le soldat ennemi. Ah bah, t'as disparu! Ah bah, Je sais plus où t'es. il était juste T'es juste là. T'étais juste là. Je te Et vois regarde, plus. regarde. Tu vas pas me voir, mais regarde, je vais tirer sur quelqu'un. Mais il y a eu un coup de feu! Mais alors, mec! Il venait à peu près de derrière toi, je comprends pas. Non, mais en Mais vrai, c'est en vrai, incroyable ce en truc-là. vrai, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment stylé, je trouve. Par contre, c'est hyper dégueulasse parce que le mec se met bien de la boue sur la gueule, genre il est en train de s'en envoyer sur le visage là. Ah! Ah. Mais Mais en vrai, c'est génial! je sais pas pourquoi, ouais. J'ai jamais vu ça non plus dans un jeu alors que. Décalage de son. Mais vas-y, en ce moment, j'ai des problèmes, hein. Voilà, nickel. Bon, vas-y, c'est bon, on y va, Terra. Alors, par Faut contre, y le aller. tweet est éphémère maintenant. Alors, vas-y. Merde, je veux pas me camoufler. Je veux pas me camoufler. Laisse-moi tranquille. Eh, j'ai pas beaucoup d'endurance. Y a pas de barre d'endurance dans le jeu. Ah, en bas, si. Non, bah je suis un homme, je peux courir autant que je veux moi. Non, 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 c'est faux. Si si. Quand je cours avec Ils ont Shift, j'ai bien une barre d'endurance. montré Hein. cette différence. Commence pas. Attends. Attends, alors là tu vas te calmer parce qu'il y a des ennemis. Donc cours pas. Bah, tranquille, je me mets Il n'y dans a la pas boue et je moyen suis de les. invisible donc. Il n'y a pas moyen de les cibler. Attends, comment on fait? Tir Ah, on peut synchro. faire un tir synchro. Moi j'ai celui-là. Attends, je freeze. Moi aussi. Attends, je... Oula. Ok, c'est bon. Je peux faire le B, mais attends, il en reste d'autres après. Ah. Ah, toi aussi. Oui. Vas-y. Non, je crois qu'il y a que deux. Moi, je fais le A. Ok, je fais le. Oh. Oh là. Oh. Oh là, j'ai kiki. Oh, je fais le B. Ok, c'est bon. 3, 2, 1. Oh. Ah. C'est bon. C'était un slow motion pour qu'on puisse voir mieux. Putain, on a pris cher. Alors. Ah, oh, il a du stuff, lui, il a des munitions. Il n'y en avait pas d'autres? C'est bon. Non, par contre. Pour Ça, je le l'instant, prends, c'est pour moi. on est exemplaire. Rien à dire. Oh merde. Pourquoi notre. Tu veux. Pourquoi on s'appelle les aigles au tapis? En haut à droite. C'est notre nom de team? J'aurais choisi un autre nom de team personnellement. Mais non, ça doit être le nom de la mission, Aigle. On était dans un avion et on a essayé d'écraser Aigle au tapis. Ok, ça va, c'est mieux. Attends, Oh, j'arrive. il y a des trucs. Ah ouais, il y a grave des trucs. Comment je l'équipe? Ok. Très bien. Ouais, carrément. C'est bon, je suis là. Oh mais non, mais qu'est-ce qu'il fout? Où est-ce que tu veux le mettre? Dans cette fougère, c'est pas mal. Là-dedans. Ok, dans le feu direct. T'as raison, c'est plus discret, il va disparaître. Faut que t'ailles récupérer une arme dans le coffre. Quelle arme? Attends, qu'est-ce que j'ai? C'est ma roue des objets, ça. Très bien. Oh, y a... Oh, oui, d'accord.
Bah y'a plus... Ils sont passés où les viewers? Y'a plus d'où... On a perdu 2000 viewers. Ils sont partis. Bah oui, forcément. Super hein. Vous êtes très fidèles hein, ouais, on vous a vu hein. Faut refaire un tweet mec hein. Vraiment c'est... Pourquoi refaire c'est un tweet? On en a fait il y a 5 minutes. Non c'était il y a 20 minutes. Bah ouais mais bon, ça changera rien. Dans une timeline si, mais bon, comme tu veux. Ah mais ils sont... je pense qu'ils sont allés chez toi, ça revient au même. Ils sont allés chez toi parce qu'il y avait des bugs quoi. Ouais ça gap 1000 je pense pas. Je suis en train d'examiner quoi moi? Ah oui. Allez, let's go. Mais par contre, j'ai pas d'arme. C'est normal? Tu l'as pas pris dans le coffre que je t'ai montré? Mais je l'ai ouvert le coffre. Il y avait rien dedans. Mec, je crois que t'as chouré mon arme. C'est pas ton arme, c'est de base. Comment tu fais pour changer d'arme? Tu vas dans. Tu fais L, et après tu changes ton. Tu t'assignes ton arme. Ah, je l'avais pas assigné. Ah, c'est pour ça. Ok, c'est. Putain, c'est une belle arme. Tu sais que j'ai. Putain, j'ai envie d'acheter une arme. Putain, mais. C'est quoi ce psychopathe là? Ah, moi, tu vois, quand je vois une arme dans un jeu vidéo, moi j'ai envie d'en prendre une vraie. Non, mais ça me refait penser à l'airsoft là, j'ai envie d'une arme. Il a envie d'avoir une arme quand même. Hein. Non, mais j'en ça ai lui plaît, hein. Vous l'avez vu, hein, ça lui plaît. Hein. Non, mais j'aime pas la violence. Je dis juste que j'ai envie d'une arme. Et si on se moque de moi au collège, bah je saurais quoi faire. Ah, on a un silencieux par contre, son arme principale ou pas du tout? Attends, ouais, je crois. Oui. Ouais. Oui, je le vois. Ah, mais tu traces toi, hein, attends. Oh, j'ai une mission à effectuer. Mec, j'aimerais vraiment comparer notre sprint pour voir si. Mais non, y a pas de différence. De différence. Mais faut pas y en avoir. Mais. Dans les événements sportifs, on sépare les hommes des femmes. Qu'est-ce qu'il est chiant, c'est putain. Et voilà, on a perdu la sponso, j'ai jeté Racine. Top. Oh, c'est les frérots. Par contre, tu vois, un sniper, je dirais pas non. T'es une recrue, là. Pour l'instant, tu as joué qu'à lance-pierre. Oh. Ah, il y a un mode semi-auto. Y a des gens. Oh. Non, c'est pas ça que je veux montrer. C'est l'ennemi là. Apparemment c'est les... Non, arrête les tirs synchro. Les tirs synchro c'est ça qui nous fait freeze. Ouais j'ai bien compris mais... C'est peut-être pas faut tout pas le temps. Faut pas les marquer. Non mais c'est peut-être pas c'est tout le temps, on a essayé qu'une fois. Gens... Non dans le chat vraiment on nous a dit c'est les tirs synchro qui font non, freeze. Non mais ils ont dit ça parce qu'ils ont vu qu'on a fait un tir synchro mais on a non, mais testé parce deux que là, fois tu quand même. Ça a freezé parce que tu viens de le marquer. Je pense que ça va... Ok j'aurais bien juste voulu tester deux fois mais si le chat le dit... Bon, on peut retester mais je pense vraiment qu'ils ont raison. Bah, ça coûte rien. Par contre, je sais pas où est le deuxième. Ah, mais si, il est en face. Non, c'est. Non, c'est, non, bon, c'est ça. Ok. Attends, je l'annule. Il faut qu'on quadrille toute la zone pour confirmer. Bon, on les tue. Attends, parce que tu peux démarquer le A. Je sens que je vais friser. Attends, j'essaye de. C'est bon. Ah, merci. Ah, oh merde, il bouge. Bon, on va se le faire sans le système. Je te conseille de passer en mode coup par coup. Parce que là, on est en auto. Je suis au pistolet là. Ah. Bah tant pis. Poursuite droite. Ils s'en vont, okay. Hein, ils s'en vont. 3, 2, ok. 1, 2, 3. Ah, je les vois plus. Je voulais juste te foutre un coup de presse, je me suis dit que t'avais pas. Ah, mais attends, mais. Oh là y a... Non, ils sont 4. Ceux-là, on peut se les faire. Si tu viens ici. Je prends celui devant, tu prends celui derrière. Attends, non, ils sont tous les 4. Ils sont je tous suis les 4. C'est dans le feu. Ah oui, là, c'est. Faut tirer vite. Non, là, c'est. Oh, faut tirer vite. Attends, ils vont peut-être continuer leur chemin. Oh là, oh là, oh là, oh là, mais non, m'allonger. Mets-toi vite dans la boue. Attends, je me camoufle. Putain, c'est gigantesque comme quoi. C'est bon. Par contre, comment on fait là? On attend qu'ils aient fini leur discussion. Mais ils parlent plus. S'ils parlent. Ah, là ils ont plus grand chose à dire je crois. Ouais, là vraiment c'est... Normalement ils vont être mal à l'aise et ils vont arrêter de se dire des trucs, ils vont se séparer là.
Bah c'est bon, vous arrêtez de vous regarder, c'est gênant. Mais... a survécu au crash, putain, ils sont bavards, hein. Putain. Hey, mec, ne sous-estime pas les gosses. Ouais. Bon, oh là là. On peut lancer un caillou, peut-être. Pas sûr. On aurait dû lancer un cadavre sur eux. Oh ou putain, alors... hey. C'est la première fois que je viens dans ce coin des... Je suis à deux doigts, hein. Je tire sur un arbre à droite, là. Non, ça va les mettre en alerte. Bah ouais, mais au moins ils vont regarder ailleurs. Ou alors on est rapide. C'est chaud, hein. Tu prends les deux de gauche, je prends les deux de droite. Enfin, ça dépend ce que tu entends par gauche et droite. Je prends béret rouge et le mec accroupi. Ah ouais, attends, parce que y en a un que je vois pas, moi. Y en a un à droite. Celui tout à droite, il est derrière un arbre pour moi. Oui, mais c'était celui-là que je te dis. Je prends béret rouge et le mec accroupi. Non, mais y a deux mecs accroupis. Ah bon? Bah, je sais pas. Moi, je pense qu'il est tout à droite. Béret rouge et tout à droite. Ok, mais on n'a pas le même angle. C'est compliqué. Bon, bah, moi, je vois un mec chauve et un mec accroupi, donc je vais leur tirer dessus. J'espère qu'il y en a deux accroupis. Je suis prêt. On va 3, 2, 1. Ça n'a pas du tout marché. Et effectivement, il y en a un où on n'était pas à raccord. C'est bon, ça a marché, nickel. Dans la discrétion, bah, finesse, élégance. Aucun problème, puisqu'il n'y a plus de témoins. Moi, je dirais qu'aucun problème. Opération Aigle du Désert terminée. On peut rentrer à la base. Ouais, je vois de plus léger dans le chat, les gens sont satisfaits. En même temps, si vous voulez rester ensemble pour l'éternité, on n'avait pas le choix. Moi, je voulais laisser parler, mais bon. Ok, alors là, 1, 2. Je prends celui de droite. Oh bah là, c'est... Ça va prendre un... C'est du menu fretin, là, c'est tranquille. Attends, ah, il bouge. Je prends celui qui a un casque, tu prends le chauve. Ah, non. 3. Attends, le mec qui a un casque est devant le chauve. Et maintenant, celui qui a un casque bouge. C'est pas grave, je peux le faire quand même. 3, 2... Hein, j'ai pas pu le faire, j'ai eu trop un excès de confiance, c'est bon. Je peux le faire, pas de problème. Ah non, pas du tout. Putain. Merde, alors attends, on peut là, on va avoir mal. On peut. T'as des excès de confiance. Attention. C'est bon. Ah, j'ai eu des bottes. Munition. T'as eu des bottes? Non, j'ai pas eu des bottes. Par contre, j'ai eu une arme. Oh, je t'échange mes bottes contre une arme. Non, merci. Putain, je me fais... Ça va, tranquille. Ça me dit rien. Ouais, mais t'as des bottes, putain. Bah attends, bah j'échange mes bottes. Voilà. Pour sélectionner votre arme secondaire. Et sexy, mon perso. Ok. Ah, ok, là-bas maintenant. Ah non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je vais vers les points rouges, faut aller sur la mission. Ouais. Et c'est pas dans le sens où on allait, ouais. Je veux toujours éliminer les ennemis. J'entends des gens. Mais oui, fallait fouiller le site du crash, on est des ouf. Au moins, y'a plus personne. Attends, alors, on va voir quelqu'un. J'ai entendu des gens. Non, on verrait un point rouge sur notre radar s'il y avait des gens. Pas de gens. Stormcloud, unité, ici Weaver, répondez. C'est Donald Renew. Ici Weaver, répondez, à vous. Ah, y'a de ça, ouais. Que dalle. C'est Donald. Regardez, c'est Donald, il va mourir. Donald, tu vas mourir. À couvert. Qui c'est qui va doubler Spider-Man si tu meurs, dépêche-toi. À toi, feu, c'est Donald Renew. Vous l'avez certainement entendu dans Titeuf ou Spider-Man ou encore un tout un autre film. Oh, pardon, Weaver. Salut, moi c'est The Punisher. Et The Punisher, c'est The Punisher. Non, pour moi c'est le collègue dans Walking Dead. Et je viens de tuer Donald Ryu. Il a tué Donald? Oui, il vient de tuer Donald sans problème. Bah Donald a dû toucher 100 balles ou 200 balles là-dessus. Le pauvre. Dommage. Donald, on a besoin de toi, c'est pour un doublage d'une phrase. Ennemi de haut niveau. Pouvoir didacticiel. Ok. On le regarde. Ok, je le regarde. Ok. Oh, c'est un petit didacticiel. Moi, là, mec, ce qui me ferait plaisir, c'est un sniper.
Ok, bah je vais prendre mon arme la plus puissante. C'est d'accord. Bah, parce que t'as le choix. Bah j'ai un niveau. Enfin j'ai deux armes, une 9 et une 8. Quoi? Oui, je t'ai dit, j'ai récupéré une arme. Je t'ai dit, j'ai récupéré une arme et toi des bottes. Il y a pas un problème d'égalité entre... Bah... Bon par contre il y a 4 mecs derrière, ouais, c'est pas bon. Ils sont beaucoup hein. Attends, là j'ai sniper, j'ai pas le droit de le choisir. Tu les vois là quand je les marque? Attends, je suis dans mes menus parce que j'essaie d'avoir un sniper. Bah j'en vois 2, 4, 5. Et t'as une icône au-dessus? J'ai un V. Ouais, parce que je les ai marqués. Mais je suis sûr, on n'est pas censé avoir un sniper? Non, c'est pas fait pour. Il y en a d'autres. Hop. Il y en a 6. Pourquoi tu devrais avoir un sniper? On va se démerder, c'est pas si ils sont loin. Par contre, il y a un moyen de faire ça discrètement parce que putain, c'est pas simple. Oui, hein. Regarde. Suis-moi. Ah non, mais de toute façon, c'est par là qu'il faut aller. Ah oui, barrons-nous. Oui, ça n'a rien à voir. Oh, on se barre. Alors, je prends à gauche, t'es prêt? 3. Oui, bon, d'accord, il bouge à toi. Vas-y. Bon, je prends celui qui bouge. Bon, je prends celui de derrière, vas-y, prends celui de devant. Ouais, vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Oh, bah, c'est nickel ça! C'est par contre, tir entendu? Par comment contre, ça? Là-bas, ils ont entendu des tirs. T'as un silencieux sur ton arme? Ah! Oh putain! C'est bon, je l'ai retiré! C'est bon, je l'ai attaché! Ça doit être pour ça! Bon, lui à droite, il a alerté. Tu prends celui de droite, je prends celui de gauche. Rien de particulier. Ok. Je suis prêt. Je vais continuer à chercher. I'm ready. Attends! Attends. C'est bon. 3, 2, 1. Parfait. Tellement satisfaisant, putain. Et ça, mais c'est un truc que je kiffe de ouf depuis Far Cry, c'est le tir synchronisé. Ah, j'adore. Puis nous, on n'a pas besoin d'être assisté avec des lettres, on s'en fout. On fait ça milieu, tranquille, nature. Ah, tu prends le B. Ah non, non, c'est bon. Gauche, droite, nord, sud. Ah, il y a deux messieurs. Ok, bah même en mouvement. Ah non, il y en a plusieurs. Il y en a plus que deux. Oh, on dirait des mecs qui cherchent un enfant disparu dans la forêt, font une ligne. Ouais, tu ne retrouveras jamais Dimitri, fils de pute. Oh, ok, bien vu. Si on les fait, si on fait un par un en partant par ça celui de l'extérieur, ça peut marcher. Qu'est-ce que... c'est géré, il y a aucun problème. J'ai fait les 4, connard. Non, non, c'est faux, j'en ai tué un. Oh, ouais. Et j'ai mis une balle. C'est vrai, toi. Ouais. Mais pas de problème. Attends, pourquoi les gens disent le loot? Parce qu'on peut les looter? Ouais, on peut les looter. Mais attends, moi je passe juste sur eux. Ouais. Ah oui, moi aussi je passe juste sur eux. J'ai peut-être oublié un cadavre à un moment. Je sais pas. De toute façon, moi ça me met un icône en blanc quand il y a un truc à récup. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais, je crois que c'est... Oh, des gants! Ah ouais, enfin génial. Faut que j'arrête de m'extasier parce que l'autre connard ouais, il a une arme. Moi par j'ai contre, des... eux, j'ai pas eu de loot. Terra, j'ai eu un sniper niveau 3 et toi? Ah oh bah du vernis à ongles. Oh super. De toute façon en ce moment j'ai un peu plus de luck. Ouais non mais ça va aller là depuis Borderlands là. Attends, une caisse, je vais avoir un sniper dedans, non, je pense. Attends. Tout à l'heure j'avais Hop pas là, eu d'arme. Je prends mon dû. Non, c'est pas un sniper. Mais tu vas l'avoir aussi. Oh, t'as de la chance. C'est bon, les caisses c'est commun. Oh ça m'aurait fait rire. Moi non, je pense que j'aurais live, je t'aurais laissé faire le juste live tout seul. Oh, le petit sniper là. Mais j'ai Et pas besoin de soin. Le connecteur du jeu s'il vous plaît. Voilà, c'est dit, je c'est balancé. J'ai pas besoin de soin en fait parce qu'on on prend jamais de dégâts donc. On est trop fort. C'est pas. Je marque les cibles. Attends. Les cibles sont marquées. Examiner. Moi je fais la mission. Mayday. Ici Ghost Leader. Est-ce que quelqu'un me reçoit? 565 Ghost Leader. Qui c'est? Oh, c'est pas mon meilleur profil plutôt. J'ai pris la radio sur un ghost. Il est encore en vie ce ghost. C'est toi qui parles dans la vidéo? Ghost Leader, on peut chercher le lapin blanc. Ah, pas moi. Avec la reine. Ah, bon, c'est moi qui parle moi. Fais-moi un sutrep. Non, c'est moi qui parle. On est en train de soigner votre collègue. Suivez la piste derrière les anciennes ruines. Votre destination se trouve dans les montagnes, entre deux cascades. Reçu. Ghost Leader terminé.
Ça marche. Et là, c'est quoi ta stratégie pour tous les tuer? On n'a pas de silencieux sur le sniper. Si, on a un silencieux au bout. Ah bon? Bah ouais. Fais voir ton sniper. Bah attends, on n'a pas le même. Ah, maintenant il a un silencieux. Attends, non, est-ce qu'on a le même? Moi je pue. Ouais. Voir si je m'énerve ou pas. C'est le même. Ouais. Après, le mien est niveau... Ouais. Attends, je check. 12. Nique ta mère, vas-y. Ça suffit les blagues. Allez. J'aurais dû dire 10, putain. Chier. F pour éliminer un ennemi, comment ça? Bah, t'as pas besoin de viser, juste tu fais F. Je pense que je vais rester allongé ici. C'est le meilleur endroit, je pense, ouais. C'est très bien ici. Moi, je suis prêt à... On peut pas zoomer? Ah si, si, B, je crois. B, ça doit pouvoir zoomer, attends, j'essaye. Oh, ils vont tous se séparer, là, ça va être parfait. Si on commence par l'arrière, ça peut le faire. Merde, mais accroupis-toi. On peut pas retenir son souffle? Fais-moi voir ça. Non. Oh, il s'approche, hein. Oh, le train! Le train! Oh, putain de train! Des merdes! Quoi, son... Mais mec, c'était une blague, fallait pas rester dessus, terrain. Oh, attends, qu'il passe. Faut pas que je te... J'espère qu'ils vont pas me voir. Il y a deux gogoles à leur gauche qui sont en train de revive. Mec, c'était impossible qu'il y ait un train qui passe. Je me suis juste dit, c'est des rails désaffectés. Ou au pire, ça va pas être scripté qu'il y a un train qui va passer. Et si. Bon, je commence par l'arrière. Je me fais béret rouge. Vas-y. 3, 2, 1. Ah, ça met longtemps à recharger quand même. Oh, je dirais que c'est le combat qui s'est le moins bien passé, peut-être. Bon, ça, c'est... Est-ce que des unités ont été prévenues de ce qui s'est passé? Non, donc nickel. Non. En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent aussi longtemps à recharger le sniper aussi. C'est pas Fortnite là. C'est un vrai jeu là. Quand on court dans l'eau, c'est assez stylé l'animation. Pourquoi? Oh, oh. C'est vraiment. En vrai, c'est... je cours vraiment comme ça quand je dois courir dans la mer. Oh, allez, viens, elle est bonne. Oh, allez. Faut que je jette à l'eau, tu fais. Ah, ah. Alors ça, tu oh, vois. Oh, oh, alors là, mec. Moi, alors. Je prends la noire. Tu prends pas la blanche? Elle te plaît pas? Oh là, ça va vite cette merde. Oh putain. Est-ce que tu sais faire des roues arrière? Parce que moi, oui. Check ça. Merde, y'a des mecs. Quelle touche. C'est shift. Fais des roues arrière avec shift. Ouah. J'ai fait une figure, je crois. Elle m'aurait rapporté des points d'Antonio Pro Skater, mais pas dans le jeu. T'as deux mecs qui passent et qui font des figures, c'est quand même... Attends, mais ils se sont battus les couilles qu'on... Ah, moi, ils m'ont repéré. Hein. Par contre, du coup... Ok. Je reprends ma moto. Ah, mais même quand on court dans une pente, ça court comme ça en vrai. Ah. Ah, ma pente doit pas être assez... Alors là, je peux te dire que j'ai chopé un truc avant toi. Allez, une arme rare, un lance-roquette. Ah, des crédits scale. Oh putain, mais... Quand je vois un coffre. Ça va? C'est la Vin Diesel dans Triple X, là. Wouah, Triple X. Tu l'as prise loin, celle-là. Hop là, les crédits scale. Où est-ce qu'il faut qu'on aille, maintenant? Attends, non. C'est quoi la touche pour les armes, inventaire? I. Non plus. Putain. Parce que j'ai un nouveau pistolet. Ah ouais, mais il a des stats beaucoup moins bien. Ah ouais, non. Je vais garder celui que j'ai actuellement. On peut monter à l'arrière? Ah non. On peut prendre la voiture. Plus, oh, une bah belle oui. Tourelle. Ça me plaît. Ouais, il y a un coffre. Ah non, d'accord.
Mais comment je switch de position? C'est... Je veux aller dans la tourelle. Pardon. T'as pas envie de travailler. Tu vas partout là, t'as rien à faire. Je peux pas. Ah merde. J'ai pas... Je peux switcher. Eh bah tant mieux, c'est déjà bien. Ouais. Bon, la conduite sera exemplaire, hein. Pas un seul accident sur ce coup-là. Non, on est censé être discret ou pas? Oui. On l'est, non? Merci. Passe par l'arrière du véhicule. Wow. D'accord. Oh. Pas merde, je suis au milieu d'eux maintenant. Ah, t'es sorti? Bah, je pensais pas que t'allais sortir. Je voulais passer par l'arrière. Ah merde. Mais y'a ce véhicule là qui est encore plus blindé. Attention. Putain. Ah là, j'ai eu une erreur de jugement. Non mais vraiment, j'ai même pas fait exprès. J'ai à deux doigts de me trancher les veines là. Ça arrive, le jugement, tu sais, c'est... Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Je vais à l'arrière. D'accord. Mais attends, mais je suis blessé. Eh hey, mec, je suis blessé, hein. Je dois me soigner là. Ah ouais, faut te soigner là. Casse-toi là, je vais pas te bouffer le vagin. Ça va. Je monte à l'arrière. Artilleur. Pourquoi je galère comme ça, c'est pas possible. Attends. Attention, debout. Sinon je recule. Artilleur, oui. Ouais. Ah voilà. Je les attends là. Tu vois cette statue Inca. Allez, la culture. Tiens, cette voiture, elle met 800 tarifs. C'est du solide. C'est ce que j'étais en train de me dire quand ça faisait 10 minutes que je tirais dessus. Oh putain. Oh c'est beau, regardez à droite. C'est magnifique, j'étais en train de me dire aussi. Ça vaut le coup de s'y attarder un petit moment quoi. C'est incroyable qu'ils aient recréé l'Auvergne dans Ghost Recon. Les palmiers d'Auvergne. Ouais, il conduit bien hein. T'as vu? Ah, chef de faction, pas loin. Mec, y'a un hélico. Oh alors là, alors là, ça, alors là. Ça. Tu veux le contrôler? Attends, mais faut rentrer dans la grotte, on va pas rentrer dans la grotte en hélico. Non, c'est pas un objectif qui est loin. Ah non. Oh non. On peut le tenter, mais je pense que c'est ricrac quand même. C'est bof. Un tatou. Un tatou. Tu le vois pas là? Solide non. Le tatou. J'ai pas vu. Ah oh bah j'ai récupéré protéines animales. Alors ça c'est pas compliqué, je te montre. Bah pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi c'est toi qui le fais? Eh hey, laissez-moi passer putain. Ok. Mais attends, c'est toi à gauche. Ah bon? Plus un geste. C'est toi mais t'as fait une teinture. Qui êtes-vous? J'ai reçu une invite. Et vous êtes qui? J'ai reçu une invite sur Facebook, c'est quoi cette... Vous pouvez toujours faire demi-tour et redescendre la montagne. On est un peu tendu, ok? Évitez d'agiter votre arme. Pas de tir à Erewhon. C'est quoi Erewhon? La grotte, on l'appelle comme ça. Putain, ils ont l'air trop sympas. En vrai, c'est la famille. Ouais, bof, hein. Nous sommes dehors. Ah non, nous sommes dedans. T'es encore en cinématique là? Ah non, c'est bon. Je suis en position petit footing matinal là quand je cours. Ouais, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Allez, encore 10 km, hop, hop. Oh, c'est hop. Magnifique!
Ça, c'est les gamers au marathon de Paris là. Hop, 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 hop. Waouh, mais j'aimerais trop être en vacances ici. Eh putain, mais c'est le Club Med, ils se mettent trop bien en fait. C'est magnifique ce truc. Petite cascade derrière. Bah ok, hein, on va rester là. Oh bah si c'est ça d'être pauvre, je signe. Oh, c'est vraiment bien. Hein. Eh, c'est un joueur. Oh, il y a des joueurs aussi. C'est très bien. On vient, on cherche Skizzy. Attends, je... Merde, ça me déclenche une cinématique, mais pour toi aussi ou pas? Oui. Eh les gars, comment ça va? Ça va. Ça fait aller. On check est ça. Les seuls survivants de l'hélico. Pas de radio, pas de drone. À nous deux, on n'a que 2 fusils et 8 magasins. Les gens du coin ont de l'eau. Des magasins. Et des provisions. Oui, c'est le nom des chargeurs, Link. Ah bon? Oui. Franchement, c'est... Tu n'avais jamais entendu magasin? On parlait de chargeur. Non. Je suis sur le coup. Oui, il ne me reste qu'un magasin. Même s'ils ont à l'œil, forcément. Le connard qui rigole d'un truc qui est aussi vieux que le monde. Vous savez ce qui nous a touchés? Je n'en sais rien. C'est en anglais qu'on dit magazine. Oui, mais en français tu dis magazine. J'ai croisé des troupes dans le coin qui se surnommaient les Wolves. Oui. Tu sais à qui on a affaire? Un mois pour commencer. Eh, il te reste combien de supérettes sur toi, lol? Non mais vraiment? T'as oui, changé ma vie. Tu peux dire, magasin? T'es qui? C'est un terme français aussi. Damn. On a vu du magazine, mais... Je suis l'officier supérieur de cette opération. Par opération, tu veux dire ce ratage? Après, intégral, ça se trouve, c'est juste un dérivé, un peu comme boulette. Alors, mais sauf que c'est l'inverse. Tout se passe bien. J'ai plus de boulette. Je cherche à comprendre pourquoi une brochette de soldat nous tombe tout cuit du ciel, chérie. C'est quoi ce cowboy? J'avais même pas remarqué qu'il était là. Ouais, merde, quelqu'un a coulé un cargo de la Navy au large d'ici. Et puis tout l'archipel d'Oroa a cessé d'émettre. On nous a envoyé tirer tout ça au clair. Et tout d'un coup, nos hélicos se sont fait descendre. J'ai perdu près de la moitié de mes hommes. Ils savent mettre une ambiance. Sache, il y a une sorte de coup d'état militaire. Sentinelle, la société militaire, ils ont placé cet endroit sous la loi martiale. Et ils n'y sont pas allés de main morte. En fait, on est dans quel pays? On est en Colombie. Skelltech produit toujours du matos. On est sauf que maintenant, à Dallas, Texas. Tu reconnais pas? Tu vois pas le mec à droite? Où je peux trouver Jeskel? Ah, le chef de Skelltech en personne. On ne l'a jamais vu, mais ses drones espionnent ses îles à sa place. Tu penses qu'il est mêlé à ça? Oui, mais pourquoi? Très bien. Je rajoute ça à ma longue liste de questions en suspens. Où sont nos blessés? Je peux les voir? Oui. Un de vos gars a besoin de repos, mais il n'arrête pas de gueuler. Calmez-le, ok? Ensuite, revenez me voir. Je vous ferai une visite guidée. Pesant, hein? Pesant comme ambiance. Pesant. C'est à la base, j'étais arrivé pour de la déconnade là, et ben j'ai plus envie de rester. Tu vois, c'était un peu ambiance Club Med jusqu'à ce qu'on parle à des gens. Je suis dégoûté. Moi, je veux des missions là, vite, où on tire sur des gens. Vite, 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 tirer sur des gens. Hop, hop, hop. Parce que je vois que des joueurs. Où est l'objectif? Ah ouais, faut aller voir nos blessés. Où est-ce qu'il en reste? Ouais, bah il est entier cet homme là, pas de problème. Vous êtes sur Oroa, une île fictive. Ouais, mais je veux dire, ça se rapproche de quelle inexistante? Halt. La Guadeloupe, peut-être? Hey. Comment ça va, mec? Ouais, ouais, c'est à la Réunion, pas de problème. Et qui d'autre? Qui y est resté? Allez, détends-toi, ok? Forte envie d'appuyer plusieurs fois sur échappe, quand même. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Fin de dialogue. Mission accomplie. Ah non, t'as pas pu voir son... Tiens. Ah non, tu me qu'est-ce diras. Qu'est-ce que c'est? C'est son danal? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un autre super pouvoir. Je trouve pas Midas. Ouais, bon, je sais pas ce qu'elle m'a donné, mais... Sélectionner une mission. Voir le didacticiel. Pourquoi il est...
Je veux que tu te reposes. Avec plaisir. On va s'occuper de tout, ok? Ouais. À cause du blackout, le navire... Le lance-roquette? Je vais parler à Matt Schultz, le grand là. Quoi, le lance-roquette? Pourquoi on me dit lance-roquette? Peut-être qu'il va me prêter un bateau. Prends-le. Pourquoi tu prends pas le lance-roquette? Ta gueule. Il est bizarre. Oh, j'ai activé un truc pour avoir un parachute. Mais il faut l'équiper le lance-roquette. C'est bon, j'ai pris le lance-roquette. Ok. Ah non, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, compétence. Ouais, c'est pour ça que je suis dedans là. Sniper, hein. Retenez plus longtemps votre souffle. Bonus avec les fusées de précision. Bah, j'ai peut-être joué assaut moi. Ou alors on se... Mais moi j'ai activé les 4. Fallait pas. Ah. Tu peux? Je sais pas, j'ai plein de points de compétences alors j'active. Hein. Ah ouais, moi aussi. Oh. Trop bien. Parachute. Voilà, j'ai activé plein de trucs. Bah écoute. Amélioration d'XP, plaisir. C'est oui. C'est bon. Je crois que je suis ok avec moi-même. Comment on monte? Attends. Emplacement d'avantage. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Comment je monte? T'as plein de stuff? Ah ouais? Comment on monte dans l'arbre des compétences? Ah, tu maintiens clic. Oh! D'accord. Marquage automatique, non. Furtivité, oui. Ah, je peux pas. Fuck. Oh, ça c'est bien. Disons, il y a plein de trucs à faire. Est-ce qu'on a le temps? Hop. Pas du tout. Mais attends, pourquoi ça me met toujours un objectif en surveillance là? Il y en a une que j'ai pas vue ou quoi? C'est bon. Ah, c'est dans enquête. Ah ouais, mais aux F les enquêtes. Il faut que je sélectionne une mission, vous êtes sûr? Oh, si tu l'as déjà fait. Oui. Joueur contre joueur. Ok. Par contre, comment on change l'arme qui est dans son... dans son inventaire sélectionné? Ah, peut-être parce que je ne peux pas. Ah ouais, je peux juste pas en fait. Ok, j'en ai pas d'autres. Je pensais que j'avais un lance-roquette, pas du tout. Ah, faut parler à Schulz. Ouais. Oh. Allons voir Schulz. Parce qu'il est, il est là, le Schulz. Parlez. Ah oui, il y a déjà plein de mecs qui sont en train de faire la quête. Tu as encore des compétences? Pourquoi je les ai pas vues? Eh bah voilà, tant pis. Est-ce que j'ai le temps pour le dialogue? Non, pas du tout. Hop, échappe, 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 échappe. Oh, non, ils ont parlé beaucoup. Hein. Ouais, j'avoue, on veut voir le gameplay là. On veut voir le gameplay. Le on a no time. Ok, c'est bon. Bon, compétences, j'en ai plus là. J'en ai zéro. Ah, parle à Schulz, ça va pas? Je te parle du coup. Tu veux encore lui parler? Il tient le coup. Oui, il bosse avec les troupes. C'est bon, moi. Bah, je vais reparler. Ah, c'est bon. J'ai une autre cinématique maintenant. Direction le Moyen-Orient. Mais c'est The Punisher. Mais c'est lui-même. Regarde. Qui a tué Donald Renew? Ouais, ça reste quand même. Moi maintenant, je dirais le mec qui a tué Donald Renew. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, tu le sens pas très bien parce que t'as tué un mec. Et ce mec, c'est Donald Renew. Toi, t'as un regard mauvais.
Tu sais comment hop, échappe. D'accord. Hop, hop, hop. Merci, on peut s'en aller. J'arrête de buter des gens et de conduire un hélico. Hop là. Oh les petits amis, je... Attendez. Regardez. Je vais augmenter tout ça. Quoi? Maintenant que ça va. Tu te restes des points de compétences? Non, j'avais baissé mes options graphiques tout à l'heure. Mais beaucoup. Non, pas depuis une semaine. Je suis vite, sûr vite, que vite. Bien sûr. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici, il n'était plus en place. On a dit, il est vide. Ça peut rien dire. J'espère qu'on a bien tout fait ce qu'il fallait faire là-dedans, parce que je sors là. On joue actuellement en mode guidé. Ce qui veut dire. Non, ça me va le mode guidé. Oh, c'est bon, moi je. Bah merci. Guidez-moi. Ça me va. On n'est pas sur les mêmes missions. Sans issue, les fantômes du passé. Oh non. Alors, comment on fait pour sélectionner la même mission? Bah attends, moi j'ai les deux aussi hein. Ah ouais? Bah j'ai les deux d'afficher à gauche. Et de toute façon, sur la carte, on voit la jaune et on voit la orange. On va sur la jaune. Bon, ok. On va à Freeport. Oh là, attends, je suis dans l'hélico. T'es où? Oh là. commence pas, j'arrive. Arrête, j'arrive. Je veux au moins rentrer dedans avant que tu te craches. Eux pour sauter en parachute. Pourquoi les vitres elles sont déjà brisées? J'ai rien fait. T'as fait une alors, connerie. Comment je... Ok. Alors on va sur l'objectif qui est là-bas. Ouais. Comment tu trouves la conduite? Pour l'instant tout est nickel. C'est quoi, c'est une tornade? C'est quoi ça? Va non, dedans. C'est un feu? C'est quoi? Va dedans. Non en vrai c'est quoi? Ah non c'est un bivouac. Oh putain, si j'appuie pas sur T, ça va rester sur mon écran, je suis obligé. Ok, c'est bon, merci, bivouac. Ah, après, il y a un accès rapide sur les bivouacs. Malin. Ah, c'est genre des points de TP. Ouais. Je vais très haut pour bien voir la vue. Ça a l'air grand comme map. Bien, avance pas vite. Que tu es assez haut. Ouais, j'avoue, là on vient de faire 100 mètres. Attends, pendant que je parle, on fait hop, oh 100 autres mètres. Normalement, on va pas vite. Du coup, ça va plus vite que ça. Putain, c'est un hélico. Un peu rafistolé hein, je pense, parce que là il va pas vite. Surtout il va à très haute altitude, ça fait plaisir. Bah il va être temps de descendre je crois. Bon on est toujours pas arrivé hein, t'inquiète. Ah non on va faire un petit parachute c'est vrai. Salut Link, je te laisse conduire. Au revoir. Bon bah y'a plus personne qui conduit malheureusement, on a eu la même idée. Oh non l'hélico il est où? Ah il est où, attends, je le vois plus. Ah, je le vois. Attends, je vais essayer de le reconduire. Vas-y, rattrape-le. Ah oui, il est là. D'accord, il est tombé bien plus vite que nous. Oh là, il va tomber sur l'objectif là. On va le rattraper, c'est pas grave. J'y suis presque, je l'ai presque dans la main. Ah. J'ouvre mon parachute, vite. Oh putain. Oh, les arbres. T'étais pas loin. Hein. Et puis moi, je suis tombé vraiment très près des pales de l'hélico aussi. Ah, mais c'était pas des ennemis, c'était tranquillou, c'est la plage. Ouais, parce qu'on a fait une entrée un peu remarquée, je pense. Oh, un enfant, on peut le tuer? Je vous veux aucun mal. Matt Schultz m'envoie, mais vous ressemblez pas aux autonomes. Je travaille pour Skelltech. Matt, j'ai un... Votre histoire est intéressante, mais le temps presse. Donc, échappe. Tout le monde à couvert!
suis désolé, monsieur. Ah, déployez votre drone. Bah... Oh, attention, c'est pas le moment. Qu'est-ce que... Mais c'est... Mais bordel. Oh, c'était un civil, ça, je crois. Bien joué, mais je voulais faire justement tuer des civils, et ben bravo. Bon, tu sais, quand il n'y a pas d'animaux, je fais les civils. Je la trouve très sympa, l'arme qu'on a eu au début là. Le fusil d'assaut ? Ouais. Tiens bien droit, efficace. Très propre. Mais maintenant, laissez-moi jouer avec mon drone. Ah oui. Ah, ça c'est notre hélico, je le reconnais. Bah on va pouvoir le reprendre. Ah. Je voulais se rentrer dedans mais je crois que... Ah si, t'es là. Tu vois mon drone? Ouais. Oh, ah oui. Oh. Attends, okay. Je vais reprendre l'hélico. Mais non. J'ai bien envie de prendre ce joli... Oh, c'est un Humvee familial. Ouais, il est très familial, j'aime bien. Hop. Attends, 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 il y a une quête derrière en fait. Attends, je vais faire une marche arrière sur le pont, tout va bien se passer. Ah, t'as pas confiance. Non. Attention. Oh putain, non. Attention mais... Attention à vous. Je vois rien. Aïe. Attends, ça passe. Attention devant. Attention derrière. Attendez, je vais passer hein. Je profite de cette cinématique pour manger un biscuit. C'était quoi encore? Une minute. Ah, c'est ceux que j'ai écrasé avec ma voiture à l'instant. Tous ces gens. Ça doit être il est complètement à l'ouest. Bon, le break familial a pris quelques coups. Ah, mais il est en train de s'empiffrer, c'est vrai. Pardon. Le monde est fini, on peut y aller. Bien joué, vous avez protégé les autochtones. Mais le break familial. Il est plus là. Où est-ce que je suis? T'as bien. Quoi? Ah, c'est bon, je sais où je suis. Pendant un petit moment, j'ai eu peur. Il était en leasing. Oh! Attends. Oh, le loot. Loot. Ouais, et surtout, il y a une caisse là. Il y a peut-être des bitcoins à l'intérieur. Chaque classe peut progresser jusqu'au rang 10. Ça marche. Oh, j'ai des points de compétence. Allez, une caisse avec une arme incroyable à l'intérieur. Et non, des crédits scale, ça fait plaisir. Attends, je monte en haut de ce phare. Il y a certainement un easter egg. Pas cool, messieurs d'Ubisoft, de ne pas avoir mis d'easter egg parce que j'étais bien content de monter tout en haut. Mais c'est pas grave, je peux descendre tout en bas avec mon parachute. Il y a une caisse? Tout en haut? Non, je sais pas, t'as dit qu'il y avait une caisse, mais je sais pas où elle est. Oui, il y a une caisse, mais elle est à l'intérieur. Ah oui. Au rez-de-chaussée. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Ah, attends, il y a une autre caisse là. T'aimes pas les crédits scale? Attends, il y a... Non mais c'est bon, ça va aller les caisses. Oh! Attends, non, ça c'est pas des crédits, ça c'est une arme. Oh là, attends, je monte. Ah non, t'es en bas. Ah... Non, c'était quoi? Démonter une arme inutile pour en extraire les pièces.
D'accord. Ah ouais, c'était une belle caisse. Ça, c'est un lance-roquette là-dedans. Oh, ça fait un bruit quand je l'ouvre. Ah. Ah bon. Bon. Pourtant, c'est des très belles caisses. C'est des belles caisses, mais comme quoi. En fait, c'est un. C'est pas parce que l'emballage est joli que le cadeau en est. En fait, c'est mieux. C'est une grosse glacière. Oui, c'est ça en fait, c'est du plus ou moins qu'une glacière. Bah, je te propose qu'on aille. Il y a une mission faction furtive là. Juste à côté. On va pirater le réseau de la SMP. On parle bien de la même. Et du coup, c'est furtif. Stop, c'est furtif. Stop. Ah, c'est stop. Là. Attends. Putain. J'ai tout essayé. Hein. Je croyais que c'était. Mais j'ai pas trouvé de synonyme. Stop, arrêtez, alors. Stoppez-vous. Marque les ennemis déjà. C'est bon, il a dit qu'il y avait rien, il est bête. Et ben, lui, il s'isole lui. Lui s'isole, mais si tu tires dessus, les deux près de la voiture vont le voir directement. Ouais, mais si on tue ceux derrière, il le saura pas. Exactement, donc on plutôt tuer ceux derrière. Vas-y, je prends celui de droite. Je prends à gauche. 3, 2, 1, go. Oh, il est blindé, hein. Ouais, ouais. Le chat, ce que j'ai mis dans la tête. Rassurez-moi. Je suis bigleux ou j'ai... Tu es bigleux, Link. Je l'ai pris peut-être. T'avais pris le sniper ? Ouais, je peux sniper. Ouais, j'avais pas pris le sniper en même temps. Ah, c'est pour ça. Je crois pas, oui. Mais n'importe, vous savez pas. Vous savez pas ce que vous dites. Il avait peut-être un casque blindé aussi, le mec, ce qui t'a tiré. Hein. Wow ! Oh, tu peux monter là-dedans ? Il est énorme ! Je pensais pas qu'il se conduisait. Il est gigantesque. Attends, mais c'est la mission de le prendre. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut faire quoi avec cette antenne? Faut la détruire? Ah, c'est échec de la mission. Mais con de merde. Oh bah mince. C'était une chance sur deux, hein. Il y a des gens qui arrivent sur nous là. Ah bon? Ah oui, en hauteur. Attends, moi je suis en train de rechoisir la mission. Ah! Bon, attends, je vais les calmer eux. On n'a pas un lance-roquette? Franchement, là je pense que je vais avoir le conducteur. Oh bah, vu ce que t'as fait tout à l'heure à un mec qui bougeait pas, oui. Ta gueule. Ok, j'ai eu le. C'est quoi? Le mec derrière à la tourelle. Ah, oh, so close! C'est un jeu en fait, on dirait la fête foraine. J'adore! Tarapaparapapa. Oh! 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 C'était un bon moment! Le tir tactique pas voulu, mais ok. Lui il est vraiment mort, il est blasé de combien il est mort. Oh, de toute façon il conduisait n'importe comment, c'est sa faute. Il était obligé de mourir. Ah. Bon bah super, et t'as réussi à lancer la mission ou pas du tout? Attends, où sont les missions là? Tableau d'objectif. Bon bah j'ai le droit de manger un biscuit alors. Putain, toutes les occasions sont bonnes hein. Une mission secondaire, ça doit être ça. Les fantômes du passé. Non. Bon, on va prendre une mission principale. Ça vaut mieux. On va trouver Josiah. C'est parti pour trouver Josiah. C'est vraiment le nom de la cantinière à qui tu demandais du rap de frites. Josiah, il y a encore des frites. C'est à 2 km. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur véhicule pour ça. T'as une meilleure idée? Non. Bah alors ferme ta gueule. On va y aller à dos de sanglier. Ne touche. Bon, ça donne de la protéine animale. Arrête, c'était une fois juste pour.
Alors eux par contre c'est pas des sangliers, du coup on peut les tuer. S'il y avait pas deux civils. C'est pour ça que j'ai une alerte civile tuée sur mon écran. Probablement, je crois qu'ils avaient des otages. Putain mais ils tuent tout ce qui bouge. Ouais c'est loin hein. Ouais ouais. Putain y'a des mecs partout. Les barrières. Bruit suspect, tu m'étonnes. Mais y'a pas un bateau? Ah. Non? Ah non, on peut pas trop y aller en bateau. C'est droit devant. Mais y'avait un bateau là. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été impressionné? Ah, je me suis expulsé dans l'eau. Bon, du coup, ça sert à rien de prendre le bateau, mais allons-y. Pourquoi? Ah, j'ai une blessure grave. Bah, parce que l'objectif est pas du tout. Ah, c'est une grenade. Pardon, je me suis trompé de touche. Mais putain, mon bateau! C'est quoi la touche pour se soigner? Oh non, mais y a des drones ennemis maintenant qui me regardent! C'est quoi la touche pour se soigner? Oh putain, il va péter! Comment je sors? Comment on se soigne? Faut que vous me le disiez maintenant. Vous pouvez me donner la touche. D'accord. Non, on t'en donnera pas ta touche de merde. Ah, fallait être plus réactif là. Super les potes. C'était dans le tuto du début pour soigner, c'est même le premier truc qu'on doit faire dans le jeu. Bah au début j'ai appuyé sur G pour me soigner. Mais là maintenant G ça lance une grenade. Tu vas mourir. Oh mais on est en calané. T'es mort. Mais merde. T'es mort, t'es nul. Rat, c'est ta faute. On devait pas prendre le bateau. Ce fils de pute qui lance une grenade. Oh c'était bien. Non mais au début du jeu, le jeu commence, on appuie sur G pour se soigner. Du coup moi j'ai fait G. Putain. Mais pas aidé hein. Bon, je vais apprendre à me soigner. Ouais, puis apprends tes touches là pour éviter de lancer des grenades. Ah c'est alt, merci. Et maintenant je fais jeu. Bon tu fais attention maintenant avec tes grenades et tout là. Faut d'abord l'équiper, ensuite tu fais G. Sinon c'est... À deux doigts de faire mon duo avec Bob Lennon. Hein. À deux doigts de péter un boulon. Alors l'objectif. Tir entendu par Terracine. Ah bah super. On va encore mourir. C'est toi qui fais du bruit. Tu fais un de ces boucans quand tu rampes. Putain. Je crois qu'il fait... Comme un gros facochère dans les fourrés. Je croyais qu'il y avait plus personne moi. C'est quoi la technique intrépide? Ah je ne sais pas. Bah... N'allez pas vous blesser. Attention à l'arbre. Rentre dans la voiture. Oh. Ouais, c'était un tir au sniper dans le conducteur du haut, ouais. Ouais, ouais. Tu l'as eu? Ouais, instant. François, tu l'as eu. On mettra un slow motion. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il conduit comme un sac à merde. Mais où est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? Ah d'accord, c'est la mission. J'ai visé le parking. Hey, la petite d'autre. Ouais, putain, t'as vu le lieu? Cold Walk. Je lui ai donné aucune chance de parler. Walker est un traître. Il s'est retourné contre... Bon.
Vous venez d'obtenir une information méchant. Qui peut résoudre une enquête. Oups. Voilà la question à élucider. Qui a coulé le bâtiment militaire américain ? Je résous l'enquête. Ça se passe comment ? Faut beaucoup réfléchir, mais en vrai, ça se trouve. On est d'accord qu'on a juste cliqué sur résoudre l'enquête ? C'est Jake Scale, je pense. C'est Jake Scale qui a coulé le cargo. Je pense même que c'est la faute de ce connard. Merde. Tout ce qui se passe ici, c'est la faute de ce... Moi... Ça marche. De toute façon, Scale, c'est le méchant, donc c'était pas dur, hein. Elle a répondu au hasard, enfin, n'importe quoi. C'est un tatouage qu'il a sur les bras. Les bras. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. Est-ce que tu manges? Non, en plus j'ai fini. Elle est immonde cette voiture, on dirait une golfette du futur. Mais il va où lui? Attends, est-ce qu'on peut y aller par l'eau? Où est-ce qu'on va? D'ailleurs. Où est la mission? C'est quoi la mission? On en a deux différentes donc. On peut aller où on veut, on peut aller. Ouais, alors là où est la mission principale, c'est pas par l'eau, hein. C'est en plein centre de la map. Non. D'accord. Attends, il y en a plusieurs, il y a deux missions principales. T'as tout gagné, voilà. On va à laquelle? Je sais pas, va un point jaune, celui est, ouais, 3 km là-bas. 3 km avec ce véhicule là, ça va être tendu hein. Tu vois un point jaune par là où tu vas? Ouais, je vois un point orange. Ok. Putain. Oh la vache. Je couvre nos arrières. Ça veut dire quoi? Merci de couvrir les arrières. C'est bon, j'ai couvert. Oh putain. Oh putain. T'as pas vu ce qui s'est passé? Non, je couvrais les arrières. Ben, heureusement. Oh là, il y a un pont, oui, d'accord. Ouais, bah t'aurais vu, je me suis arrêté. Ouh, ça passe. Oh, ça passe aussi, ça passe également. C'était indiqué par le GPS cet itinéraire ou pas? Non, c'était un raccourci. Attention, il y a un animal. Ah, j'ai pas vu. Putain, il est prêt à risquer sa vie pour tuer l'animal. Non, c'est un raccourci, je peux rien. Ah, la faune, la flore, tout ça. Je couvre est. Il y a une feuille de palmier sur le véhicule, il y en a plus. Qu'est-ce qu'il fout? J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah attends, on arrive là ou pas? Oh attends, furtif. Non. Je sais pas, j'ai envie de tous les tuer ici. Allez, là on joue bien là. Mais non, mais y'a rien à faire ici. Ouais mais regarde, même s'il y a rien à faire, ce mec là-bas, il est mort. Putain mais... Et lui là, qui est venu vérifier, il est mort. Je suis sûr qu'on va avoir une giga arme ici. Mais non, il n'y a pas de mission. Il y a du giga loot. Voilà, mais je joue trop bien. Ah, il y en a un qui est alerté. Je m'en occupe. Waouh, deux mecs. Merde. Ennemi en visuel. Ils t'ont vu. Tu te fous la gueule? Ils t'ont vu. Oh mais c'est qui lui? Il y a Terminator. Ok. On aurait pas dû venir ici, il y a même pas de mission. Mais... Je m'en vais. Wow, il se passe quoi? Je suis dans ma merde en plus. J'arrive. Wow. Je prends des sacrés tirs. Oh, oh on approche en plus. C'était ça. Quoi? Oh, non. J'ai... What? Oh putain, j'ai pris un tir dans la gueule. J'ai même pas compris ce que c'était.
T'es mort ou t'es en... Oh, je suis tranquille. Il doit y avoir un sniper dans le coin. Oh, aïe. Toi aussi, tu prends des tirs qui font un gros bruit. Aïe. Allez, pars sans moi, pars sans moi. Oh putain. Je te rejoindrai. Oh, il y a des renforts. Non, j'y vais dans la savane. Je pense qu'il y avait un sniper en haut de la tour. Là. Eh, pas si simple, hein. Putain, mais... Il y en a partout. Ouais, c'est chaud, là. Mais de connard, là, oui, on y va. Ouais, mais je pense qu'il y avait du gigaloot. Je suis en train de mourir. Oh, c'est pas dur non plus. Enfin, si tu te caches, c'est bon. Hein. Oh. Je suis mort. Oh, putain. Pff, encore. Non, mais... C'est une blague. C'était dur. Tu vas pas foutre sa mission, lui. Non, mais tu vois, on est... Maintenant on sait là, c'est pas la meilleure idée. Bien sûr, Benning. Ah. Bon, on va faire la mission. Oui. C'est parti. On n'a pas de véhicule. Il y en a un là, je crois. Ouais. Ouais, il y a même une caisse d'armes avec un truc rare. Enfin, le lance-roquette. Oh, une nouvelle arme. Mais à mon avis, moins bien que ce que j'ai actuellement. Oh, n'en sois pas si sûr. Niveau 12. Je vais la tester. Oh putain. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était des civils. Bah je les ai pas tués. J'étais en train de... Non. Bien joué. Oh par contre des mecs sont montés. Ah par contre... Ouh pardon. Désolé, c'était votre bateau. Ça celui-là... Il voulait quoi? Je sais pas, ils avaient l'air assez triste mais j'ai pas compris ce qu'ils disaient. On voit. Parle pas la langue locale, on va pas les aider. Hein. Je conduis vraiment n'importe comment. Je regarde la carte. Oh, oh putain. Putain, mais vraiment. Toutes les deux minutes, il arrive un truc. C'est incroyable. Attends. Ouais, bon, à pied, hein. Non, mais 3 km, c'est trop loin! On va trouver un véhicule là. Regarde, il y a une base. C'est pas dangereux les bases. Un bunker. Non. Non, non, je vais tirer sur personne. Oui, oui, mais non. Wow putain mec, un gigantesque hangar désaffecté, ça donne envie quand même. D'ailleurs du méga loot. Eh, y a un petit côté rust là. Bon après c'est vrai qu'il est beau le hangar. Ouais on y va. Ça force le respect quand même. Mais c'est une mission ici, c'est sûr. Non y a rien. Y a rien à trouver là-dedans, y a rien. C'est magnifique hein. D'accord. Mais y a rien. Y a masse de loot.
Attends, vas-y, je déploie mon drone. Alors, je vois full caisse. Il va beaucoup plus vite. Je vois full caisse là. Y'a rien. Oh mec, c'est quoi ça? Non mais arrête, y'a juste rien. J'entends quelqu'un. Y'a quelqu'un. Je vais lui demander s'il a une voiture. Mais y'a un véhicule là où t'es. Mais... Oh, y'a un mec avec des motos. Eh ben demande lui si on peut la prendre. Ok, je lui demande. Quoi ? Contact ennemi ! Ils veulent bien. Oui, je l'ai entendu dire oui quand il a fait « Hey !» Il a fait « Oui, oui, prenez-les, oui !» Problème résolu. Oh bah ça va être un chantier là-dedans. Ouais, mais en moto, c'est plus gérable. Ça va. Y'a des gens à gauche. Hop là! Pouaf! Mais non, je ne sais pas conduire! Non, pas d'eau! Je l'ai vu trop tard. T'es tombé dans l'eau? Non. Tu peux aller à fond. Tu peux aller à fond. Pour faire la même erreur que ça. Ça sert à rien. Le pont sur la droite, ça sert à rien. Me dis pas que t'es tombé dans l'eau parce que. Pas je croyais qu'à droite il n'y avait pas d'eau. Il est tombé dans l'eau. On va faire tout ce qu'on peut pour t'aider. Salut. Vous n'avez rien à craindre. Enfin, tu parles à quelqu'un pour de vrai. Je veux juste prendre votre moto. Attends, on peut monter à... Bonjour à vous. Arrêtez vos conneries. Comment ça, arrêtez vos conneries? J'ai besoin qu'on m'aide à localiser ce lieu. Mais t'as vu comment il m'a parlé? Le mec est complètement malade, il m'a dit arrêtez vos conneries là. Oh, on est où maintenant? Alors là Bah il m'a super mal parlé genre Ouais non mais là on tue pas les gens pour cette raison. Le mec qui roule sur tous les sangliers de la région. Tu confonds un sanglier avec un être humain là? Ouais. Il y a des voitures qui arrivent, si ça t'intéresse. Plus d'arguments. Attends, je vais chercher une moto là. Je te récupère une voiture. C'est bon, j'ai récupéré une voiture. Oh là! Oh là, mais conduis! Oh merde, c'était une civile! Ah, tu vois? J'ai mis une balle dans la tête de la vieille. Nuneux, les civils. Il l'a défoncé, ouais. Ah, j'ai mis une bonne tête là. Ouais, moi j'ai un véhicule mais il y a plus de place à l'arrière. C'est occupé. Qu'est-ce que je fais avec lui arrière? C'est un pote, il est sympa. Occupé. Il est cool. Fais pas gaffe. Attention au sanglier à gauche. Je sais pas conduire. Vraiment, j'ai un problème avec tous les véhicules. C'est... Une base, une giga base. Une giga fucking base. Pas parce que tu parles anglais que c'est plus impressionnant. Okay. Oh, c'est une grosse base. Oui, une giga base. Ils m'ont vu là? Probablement. Oh, je pense que oui. Pas sûr. Je dis ça parce qu'ils me tirent dessus. Attends, par contre, l'objectif est derrière la montagne. Ah non, il est au sommet de la montagne. Ah bah ça va être complexe. Excellent ça. Très bien. Tu veux me rattraper là? Non mais bah, je peux te rattraper absolument quand je veux. Tu peux pas, c'est mon terrain ici. Oh là. Ouais mais là t'as besoin de tourner, moi pas. Attends, je vais demander à mon pote de tirer dessus. Bah alors on est en perte de vitesse un peu là. Bah oui attention, y'a pas de place sur le pont pour deux. Oh. Attends, attends-moi. Allez, de toute façon c'est pas par là putain. Ok.
Qu'est-ce qu'il veut lui? Casse-toi! Attends-moi! Attends, je cherche par où on passe. Ah, merde! Mais je t'attends là! Ah, t'as plus de moto? Mais non! Attention, elle te tire dessus. C'est où hein? Ouais. Allez. Pourquoi ils ont pas fait un trou dans la montagne? Avec un ascenseur. Plus bon pratique, non? Dans le Mont Blanc c'est comme ça. Ah. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh putain. En vrai, une belle montagne, hein. Elle est bien grande. La nature nous a pas gâtés quand elle a fait des montagnes, hein, parce que pour les franchir, on a beau être en 2020, c'est pas facile. Oui, je viens d'avance. Ouais, ouais. Ah, je connais cet endroit. Eh. Hey. Je vois exactement où on est, crois-le ou pas. Oh mais attends, mais faut parler à l'autre connard en fait, faut juste qu'on retourne là où on était tout à l'heure. Putain bah dis donc, je pense qu'il y avait un point de TP en fait. Il doit rien avoir hein. Le bon côté de tout ça, c'est que l'hélico est de retour. Et ça, ça fait plaisir. Oui, je pense que tu peux, hein, vas-y. Je suis un peu déçu. Ah, faut pas passer. Ah, t'as vu? C'est chiant. Hein. C'est marrant ça. Et en plus, ça me TP pas quand toi tu y vas. Sentinelle, c'est le vôtre. Nous, mais c'est sérieusement, je peux pas. Je suis bloqué. C'est juste un peu long. Oh, putain, la strat quoi. Alors, on a fait du chemin pour te parler, connard. Ils ont cette mission. Hop 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 hop. C'est encore le cowboy. Discuter, récompense. Bah je veux bien des récompenses. Qu'est-ce que... Non mais je l'ai vu aussi moi. Je veux te parler. Ah c'est bon. Mads, est-ce que les gens de la plage sont arrivés? Ceux qui ont survécu tu veux dire? Échappé. Il a mis plus de 5 secondes à dire sa phrase, du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, je t'écouterai pas. T'avais qu'à répondre direct. Des nouvelles de Samuel? Salut. Je vous ai entendu en passant. Ouais, c'est... je prends ta mission toi. On sait pas trop, notre ami. Attends, lui, il va me donner des bitcoins, là? Récompense de combat. Ouais. D'accord. Bah, je comprends pas. Ok, Fox, je vous écoute. Je vous cinématique assure, a commencé, voulez-vous la rejoindre? N'est pas responsable. F2. C'est toi comme cinématique? J'ai quelqu'un sur place. Ouais. Ça a l'air d'être une super mission. Je suis plutôt chaud là. Ça ressemblait à un beau Club Med sur son PC. On va dans une villa. On va dans une villa en hélico. Ça c'est lourd. On va dans la Scuff House. Allez, go raid la Scuff House là. J'en ai plus rien à foutre. Et discrètement. Je t'attendrai à l'hélico. En fait, si un jour on décide de prendre des armes, on aura plus. Si tu me cherches, je serai à l'hélico. Pour la mission suivante, je t'attends à l'hélico. Bravo.
t'attends à l'hélico. C'est exactement ça. Attends, où est-ce que t'es? Ah, faut que je sorte. Ah oui. Ouais. À l'hélico. À l'hélico. Ah ouais, faut que je trouve la sortie. Attends, ça y est là, je crois. Ouais, mais je peux pas courir plus vite que ça. Hein. Je suis aux commandes de l'hélico. Je l'entends en plus, mon dieu. Ça présage rien de bon. Hop. Attention. Un petit 360 degrés pour se mettre bien. Et. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait que tu sais pas le contrôler. Ça va? Ça va. Je t'attends dans l'hélico. Oh là! Oh. Putain! Il a niqué ma blague! Oh là! J'ai bien failli tomber alors! Dis donc! Allez, faut venir me chercher là! Oh là! Oh là là là! Oh là 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 là! Et c'est parti! Oh, c'est par là! Vraiment gars, j'ai pas trop un point de vue externe sur ce que tu fais. Oh putain, non, tu me mets juste les feuilles dans la gueule. Pas de problème. On ne court aucun danger. Oh, c'est joli ça. Attends, tu vas franchir ma montagne là? Oui. Tu veux pas aller plus haut? Oh la vache, t'as réveillé du monde là hein. Pas de problème. C'était un petit prank. Putain mais... Conduit comme une bite. Regarde les versants. C'est là. Tu peux me cueillir cette fleur. On va se poser là. Mais c'est pas du tout plat. Et alors? Je vois pas le rapport. Voilà. Bon, on va faire cette mission discrètement. Ce sera peut-être la dernière mission aujourd'hui. Non, il est 46, faut voir. Mais celle-là, faut bien la faire. Putain, ta glissade, elle a foutu du sable partout. Il y a peut-être encore des nuits. Enfin, il y a des mecs qui vont me faire des reproches. Vraiment, là, pensez aux autres un peu. Mal au ventre, là. Trouver ce qu'elle. Ah, c'est le boss qu'il faut le. Bah, on va finir le jeu. Hein. Oh, ça a été plutôt vite. Bah, finissons le jeu. Il y a un petit panier de basket à droite si tu veux qu'on s'arrête un coup. C'est pas vrai. Ah, y'a pas le ballon. Bon, attendez, on va un Easter egg. Ah, bon, on peut mettre une grenade à la place. Ça risquerait de compromettre la mission, n'est-ce pas? Alors, attends. Oh. Tu crois qu'il y a des gens dans ces villes-là là? On va pas faire du porte-à-porte, oh, on va aller à droite gens. Directement, je pense. Dans la maison? Peut-être pas dans la maison, mais... En tout cas, c'est beau. Silencieux. En tout cas, c'est beau. Oh, oh, on est en train de me voir. Ah, c'est des drones. Ah, et sur cette c'est arme... un drone... Ok, sur cette arme, j'ai extérieur. Pas de silencieux, du coup, je vais la changer. Il y a un drone qui est en train de balayer la zone. Et je peux pas le casser, sinon ils vont savoir que bah, qu'il y a quelqu'un. Ça c'est. Ok, je vois des mecs près de l'hélico. Ok, ça j'ai un silencieux. Ok. Ah oui, il y a un drone là. On le casse ou pas? Non, non, justement. Ok. Two down. Comment on sait que c'est ici la mission?
y avait une pastille, fut un temps. Maintenant, ça, c'est fouiller des résidences. Ouais. PC. Ok, je go on au doit PC. Fouiller les résidences. Il y a un PC ici. Bah, PC, ouais. Je peux pas le fouiller, hein. Oh merde! Attends, c'est qui? C'est un habitant, mais c'est. Mais c'est des civils, ça! Ah ouais. Oui, il y a l'hélico privé de Monsieur Skell pour partir après. Ah ouais, mec, c'est sûr que dans le futur, il y aura des drones de surveillance qui balayeront des zones automatiquement et qui se rechargent tout seul en se mettant sur une base pendant qu'un autre prend le relais. Mais c'est sûr! Oh, j'ai hâte. Une caisse d'armes. Moi, tu sais ce que je fais avec mon drone parotte là? Ben, je le prends pour aller voir si mon supermarché il est ouvert. Au lieu d'y aller moi-même. Putain, c'est bien vu. Bien vu, hein. C'est illégal, mais en vrai, ça me facilite la vie. Ouais, mais comme ça, t'as pas à sortir de chez toi, jamais. Par exemple, tu vois, à chaque fois que je vais chez le grec à côté de chez moi, je dois attendre au moins un quart d'heure avant qu'il me le fasse. Bah, maintenant, je prends mon drone et je mets un petit papier dessus avec marqué chef, un grec, please, à balle de sauce. Et comme ça, hop, j'y vais un quart d'heure plus tard. Putain, si les drones étaient autorisés dans les villes, je suis sûr que des gens feraient ce que t'es en train de dire. Pas ce que t'es en train de dire, mais genre. Des trucs un peu comme ça. Mais mec, est-ce que tu te rends compte qu'avec la portée de mon drone, je pourrais t'amener quelque chose de pas très lourd jusqu'à chez toi? Il a combien de portée? Plusieurs kilomètres. Et on est vraiment pas loin. Ouais, un vol d'oiseau, mais qu'on est à que dalle. On est pas si loin. Je suis tombé. Oui, bah j'ai vu. Il y a des civils ici. Il a pas vu lui. Mais où sont les... Il y a des soldats ici ou comment ça se passe? Putain, mais vraiment les livres ça abrutit la jeunesse, hein. Il fait pas gaffe autour de lui, hein. Il me voit pas. Il est plongé dans son bouquin, cet idiot. Il y a que des civils. Mais du coup, on doit fouiller quoi alors? Sur le point d'exclamation minimap. Ah, d'accord. Mais point d'exclamation minimap quoi? Bah là il y a une meuf, point d'exclamation, mais qu'est-ce qu'il faut que je bah fasse? Bah oui, mais moi aussi, il y a un mec, point d'exclamation, mais qu'est-ce que tu veux? Ah non, que... mais il y en a plusieurs même. Oh, ouais, on s'en bat les couilles. Là je lui parle, il s'en fout. Attends, je vérifie les missions. Fouiller les résidences Long Valley pour trouver Skell. Ah putain, ça va pas être facile, hein. Ah, sachant que là je vois des mecs armés, c'est peut-être plutôt par là. Ah, oh ouais. Putain, je suis repéré à cause d'un sniper. Ok. Ouais, bah écoute, cette mission c'était pas non plus obvious que. Ok, on passe au plan B. J'ai une combattante. On improvise. C'est parti. C'était le plan B. On passe à un nouveau plan. On tue les ennemis. Oh merde. C'est dur de viser. Mon dieu, mais on dirait pas des méchants, on dirait des policiers. Ça te dérangerait plus de tirer sur des policiers, non? C'est ça? Bah oui. Ouais, moi aussi. Vas-y, d'où il me touche là? D'où tu me touches? Je passe en mode assaut. Attends, mais il y a un drone policier. J'avais vu ça. Mais il m'emmerde ce drone policier. Ah, par contre, le drone policier, on peut tirer dessus. Oh là. Qui me tire dessus? Ah oui, c'est lui. Bah, tout s'est bien passé dans cette mission, encore une fois. Comment ça, repli? On l'a trouvé, du coup? Bah, finalement, non. Je pense qu'il est parti. Attends, ça doit être cette maison, regarde. J'espère là. J'espère qu'il est sur son PC avec un casque qui isole bien. C'était cette maison là? Ok. Non, mais ah, là, il y en a qui a eu un crime. Il y a un coffre dans cette. Ça fait super mal. J'ai eu de la chance, quoi. S'il y a une caisse d'armes ici, c'est forcément que. Un nouveau pistolet. Waouh, un super pistolet. Je le prends. F40. Je prends. Mais il est caché où ce connard? Monsieur Skell. Monsieur Skell, ça a l'air d'être
un genre de... dirigeant de Facebook, quoi. Ouais, en un peu plus méchant, peut-être. Oh, est-ce que Monsieur Skell oserait vendre tes données à des grosses compagnies? Je ne crois pas, non, donc... Ouais. Donc il y a plus méchant, hein, dans la vraie vie. Bah merde, bah là je sais plus, là. Je sais pas où il va être, là. Casser les portes. Bah... Je pense que c'est juste des portes qui sont censées être vraiment fermées, quoi. Ouais, c'est des... ça se voit que... Enfin, le mec va pas vivre sur un lieu où il y a eu un crime. Pitié, est-ce que je peux la prendre? Ah, je peux pas la prendre. C'est trop décevant, putain. Mais y'a que des civils, là. Messieurs. Ouais, du coup, je sais pas. Ah bah c'est bon, je lui demande où je peux trouver Skell. Ah bah d'accord. Attends. C'est bon, ok. T'as trouvé? Non, c'est toi qui avec ce que t'as fait. Un civil a vu l'employé de maison de Skell. Elle se cache dans une maison voisine. Ok. Ah là-bas. Bah attends, moi je lui ai demandé est-ce que vous avez vu Skell. Il m'a dit j'ai fait le tour. Ça voulait rien dire. C'est bonne réponse. Ah ouais, il est sur sa petite base. Oh là! Il y a une entrée près du tunnel. Ok. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fous à moto ici? Bah je gagne un peu de temps. J'optimise le temps. Oh, le ballon de basket, il est là. Oh, c'est moi où il est vraiment bien gros? Ah, il est bien gros, hein, putain. Bien résistance. C'est les ballons du futur, ils se dégonflent jamais. Du coup, on en est où de la mission? Bah là, faut aller à l'entrée du tunnel. Le tunnel, n'est-ce pas? Le fameux tunnel. Ah. Oh, j'ai un sniper là! Oh, aïe. Alors lui, je m'appelle pas Terracite s'il fait pas de dégâts. Tu veux voir ça? Ça m'intéresse. Ah, ok, il fait plus de dégâts, par contre, il a des stats vraiment pourris. Mais bon. Okay. Pour le jeu, on va le prendre quand même. Juste, il doit recharger vraiment pas vite. Il est gros, hein. Putain, il touche presque le sol. Ouais, plus de dégâts, c'est pour des tirs un peu plus espacés. Ah, j'ai l'impression qu'elle galère à le porter. Attends, mais c'est loin où on doit aller ou pas? Je sais pas, je comprends pas cette mission. Ah, c'est un peu plus loin. Ah non, d'accord, je viens de voir, faut monter. Je voyais pas la pastille. Au-dessus. Oh, des jeux pour enfants. On n'a pas le temps. Mais si, regarde. Tu rentreras jamais avec une grosse arme comme ça et tout. J'arrive pas à rentrer. Bah super, il y a une bouteille d'alcool cassée sur la table des jeux d'enfants. Super le message. Vous croyez qu'on voit pas les développeurs à glisser des messages comme ça? Aux jeunes? Avec ce sniper, je veux voir Skell. Pas. J'ai ma vision plus Skell. J'ai ma vision thermique. Alors là, il faut être prudent là. J'active ma vision nocturne. Comment tu fais? V. C'était une compétence après. Oh, je l'ai aussi. Bien joué, mec. Je vois qu'on joue dans la même cour. Ah, j'entends quelqu'un. Attention. Ennemi repéré. Attends, une caisse avec une arme énorme, une glacière. De l'équipement. Des nouvelles bottes. Des bottes? J'en veux. Et comment on rentre? Oh, les
Waouh. Hop là, les bots. Alors, pour rentrer, c'est bien simple. Il y a un code à taper ici. Je vais le taper. C'est ma date de naissance. T'es hyper complice avec Skell. Putain, j'ai eu peur à chaque fois qu'il y ait quelqu'un dans les salles. Hein. Je vois personne. Ouais, mais pour être sûr. Attends. Je crois qu'il parle sur la terrasse ou un truc comme ça. Hein. Il est vraiment pas loin. Oh ouais, il doit être en terrasse. Ah oui, ouais, je vois le mec descendre. Il y a un soldat qui descend. Ouais. Il m'a un peu vu et après il m'a plus vu, c'est bon. Il rentre. Non, c'est il rentre pas. Il passe devant. Okay. Ah, on peut le tuer, ils sont deux. Ouais, mais ils sont à travers une vitre. Non, il y a pas de vitre là, il y en a un qui rentre, attention. Oh, ouais, je vais voir, il m'a vu. J'ai voulu me cacher derrière, mieux. Bon, là je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Contact. Okay. Go. Bon, ça n'empêche pas de fouiller une caisse. Oh, le drone policier va me casser les couilles. C'est la police! Arrêtez! Oh. Nul. Hop, le ballon dans la piscine. Est-ce qu'il flotte? Un peu. Bof. Où est Monsieur Skell? Montrez-moi où est Monsieur Skell. C'est son ordinateur, je vais enquêter. Deux petites secondes, couvre-moi. Je te couvre pas, je cherche une caisse. J'ai trouvé son journal intime. Est-ce que lui aussi il écrit des saloperies? Je veux vérifier mes intels. Ah, je vérifiais mes intels, tu m'as pas couvert. Attends, mais c'est quoi qui tire dessus? Ça a l'air d'être assez gros. Oh, c'est un connard, c'est un giga Robocop là. Ah merde, et comment on les tue ceux-là? Bah il est mort. Finalement il était vraiment pas... C'est quoi la mission là? Je sais pas, moi je tue tout le monde. Je vais à l'étage. On nettoie. Ah d'accord. Skell, vous faites des drones et tout un tas de conneries comme ça là. Oh, un MP5. On doit se barrer ou pas? Je sais pas, mais ils sont dans la maison. Je suis tombé tout en bas. Je crois qu'ils qu'est-ce qu'il fout là lui? J'ai essayé de faire le tour mais ça n'a pas marché. Alors, s'il y a un hélicoptère en terrasse. Oh bah c'est bien ça. On va remonter dans la maison et puis... Par contre, je sais pas... Alors, mais faut rien de remonter. Est-ce qu'il y a encore un objectif? Je suis pas sûr. On a récupéré des... Vérifiez aux intels sur la page Jace Skell. Skell, on dirait pas le directeur du NCIS? On dirait surtout une émission sur le stream. Je sais, non mais moi je parle de visage du mec qu'on voit à couche. Je comprends rien au menu! Petit chargeur ou bivouac? Petit chargeur. Vérifiez les intérêts sur la page JSkell. Alors là, j'ai plutôt vérifié mes... Ok. Je lis le journal. Mission accomplie. Ah ouais? Oui. Trouver. Ok, Skell s'est rendu à la zone d'essai de Fenbog. Ok, c'est bon. De Kenbog. Kenbog. Du coup, c'est bon. On a plus qu'à prendre l'hélico. Je vais dans l'hélico. Ah vas-y, je vais t'attendre en bas parce que... Je suis juste en dessous.
petit challenge que je te donne. Oh là ! Merci. C'est où ? Alors, 4 km devant là. C'est le A ? 3,7. Non, à droite. Il y a un point jaune à droite. C'est orange là. Oui, pareil. Il y a un point bleu à droite. Ouais. Attends, tu parles de... Un point orange. Ah. Attends, je vais celui qui a 9 km là, on est d'accord. Ah non, 3 km. Donc... C'est parce que moi je l'ai épinglé la mission. Va à droite, complètement à droite. Ah bah c'est le A que je vois, le bivouac. Enfin, ça... Non, c'est pas un bivouac, c'est un. J'étais complètement à droite. Hein. Tu le dépasses là. Mais moi le truc que t'as épinglé il est là-bas. Attendez, mec, je vois rien. Voilà, j'ai que 3 objectifs. Attends. J'ai un vert, un truc ciblé et un orange. Ouais, mais moi là j'ai trouvé Jay Scale. Je sais pas comment je peux te le montrer plus. Placer une balise. Attends, F2. J'accepte, ça me proposait de faire la mission. C'est bon. Ah, ok. C'est là ? 2,6 ? En tout droit ? Ouais, là. C'est ça. Ok. Oui, c'est parce que ça me proposait pas d'avoir ta mission. Du coup, c'est jaune ? Oui, là c'est jaune. Ah, ah. C'est bon. On doit être discret ici ? Probablement. Ça ressemble à une base. Bip bip bip. J'envoie un message en morse, je dis on arrive. Bon, on saute maintenant. Ok. 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 C'est un call un peu. Ok. Je vais attaquer par le flanc nord. Aucune idée. Ok, oh merde, du coup il a fait du bruit. Un peu plus loin, okay. ça va, il est un peu plus loin. Ah par contre on est pas... Oh non, pas encore, je me suis fait encore repérer. J'en ai marre, je connais pas ma touche pour m'allonger. De toute façon on n'est pas au bon endroit en fait. Je suis allé complètement au mauvais endroit. En tout cas moi, ouais, je suis au mauvais endroit. Toi, ouais, toi c'est bon. Non mec, si on se fait repérer là, c'est chiant là. Enfin je dis on, je... Putain, quoi, mais bon. C'est quoi ce qui te tire dessus là? C'est énorme. C'est quoi ce bordel? Tu prends super cher. Mais c'est quoi ce truc là? T'as l'air de prendre ta dose. Grenade suffocante. Ok, c'est le moment. Suffoqué. Non mais fois-ci ça va pas être assez pour faire ce tir incroyable. Ah. Bah ouais. Trop dur ce tir là. Trop haut. Bien trop haut. Touché. Oui. J'ai tué le sniper. Rah, 3 mecs et un drone, c'est... Putain, avec ton missile, t'en as plus rien à foutre, là. Il m'a cassé les couilles. Ok, on va y aller discreto si on va faire une... Par contre, les 3 mecs, on a rien à foutre que tu balances des missiles, c'est très drôle. Je sais même pas où t'es, attends. Mais qui ose tirer sur un hélicoptère comme ça? Bon, pour le drone, je sais pas ce que je vais faire. Mais... Ok. Oups. Non. J'en veux pas. Ça se passe bien de ton côté ? Non. Top. J'ai... Merde ! Voilà, merde ! Ah, ah.
Après, tu peux respawn sur moi. T'es un peu loin. Je veux mourir. Envie de rejoindre Papa Johnny. Mais attends, c'est... Y'a pas de conducteur là-dedans? C'est quoi ces voitures du futur là? Je suis forcément mort face à ça. Je me mets dans la boue. Il me verra jamais. Mais je peux me déployer sur mon ami ? Je suis à deux doigts de péter les plombs là. Je suis dans une situation un petit peu... Descendez-les. Un petit peu complexe. Couvrez-moi. Ah bah je suis à la parole sur toi. Mauvaise idée ? Non, ça va pour l'instant, mais il y en a beaucoup autour de nous. Hein. Faut le savoir. Au-dessus de nous, surtout. Au-dessus de nous, il y a des au-dessus mecs. Au-dessus de nous, sur la tour. Bah, il suffit de prendre l'échelle. Oh ! Ok. Pas de problème. Vous savez pas que je suis là. Hein. Hop là ! Oh, c'est de l'acharnement. Tu l'as tranché mille fois, non ? Oui. En lamelle. Oh là, mais c'est... Mais oh, on est où là? Il est où? Oh putain, c'est quoi qui me tire dessus? Ah. Ouah. Oh la vache. Robocop. Ah mais t'as raison, c'est un drone véhicule. Ouais, t'as vu, il est très dangereux je crois. Attends, mais je vais lui mettre du calibre 50 dans la gueule, on va voir. Putain, je suis en train de courir dans tous les sens. Il y a le putain de véhicule là. Quoi? Il se régénère? Oh, un PC. J'enquête. C'est bon, j'ai fouillé la zone. J'ai eu de la chance de tomber dessus. C'est Skell en personne qui a activé le drone dans la zone d'essai. Détruisez le drone. Ok, donc c'est, je suppose que c'est le fameux véhicule drone là. On va voir comment le détruire. Hein. C'est le drone qui me tire dessus depuis tout à l'heure. Ouais, je pense. C'est quoi, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en hauteur. Il pourra pas m'a... pourra moins m'avoir. Moi je suis en hauteur là, mais s'il vient vers moi, je peux faire peut-être C4. Oh, je lui ai fait mal au cul. Si t'as du C4 à lui lancer, franchement. Mais lance-roquette, je voudrais bien, mais je sais pas comment l'équiper de lance-roquette. Je vais regarder ce que. Faut le craft, je crois, il disait. Charge de C4. Ok. Oh non, il m'a eu! Putain, je lui avais lancé un C4, sérieux! Il est dans la merde, hein. Putain, je suis dégoûté, c'était pas mal. Seulement on pouvait le lance-roquetter. Ah, je lui ai mis sa dose, hein. Dommage. Non, alors, tu t'es fait comment exploser. Comment on part un lance-roquette dans ce cas-là? C'était mon C4? Je l'ai envoyé en bas. Je l'ai pas envoyé en bas, mon C4. Ah, sur la barrière. Mais y a pas de barrière là.
double C4. Ah, le deuxième. Ah, j'en ai envoyé deux. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai réussi à utiliser le lance-roquette. C'est ça qui s'est passé. Ah, bien. Dommage. Oh non, ça suffit. Oh, c'est qui ce connard encore? Attends, t'inquiète pas, j'ai appris à utiliser le C4. Oh, attention à toi quand même. Alors, on devrait être pas mal là. Où tu vas là? Oui. On dirait pas. Mais en fait, je vais pirater cet ordinateur. Bip, 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 bip. On travaille pour les États-Unis. Comme toujours, Damien. Comme tout le monde. Oh, t'as pris les escaliers. Putain. Bon, il faut que je retourne voir Hill pour préparer la suite. Oh là, attends, quand tu dis retourner voir Hill, c'est où? Y'a pas un point sur de. Sur l'indico, ça va. Y'a pas un petit point de TP là? Bah, si on a pris aucun bivouac. Eh non. C'est une témoin ça. Putain, elle est pas bien. Alors là. Témoin. Alors là. La caisse. Elle aurait donné notre identité au skel. C'est pas grave la caisse. Putain. Alors là. Si on peut trouver un petit véhicule. Ça va? Non, tu m'auras pas. Fais chier. C'est raté. C'est mort. Y'a pas de véhicule ici, il faut sortir de cette zone. Oh putain. C'est quoi que tu m'as lancé? Bon, rien. Trois fois rien. Trois fois rien, ça fait toujours rien. Deux fois rien? Non, toujours pas. Rien. La caisse en haut. En vrai, c'est pas grave. Je vous assure, la caisse, c'est pas grave. De toute façon, on va pas tarder à arrêter. Donc, franchement, j'en aurais pas profité longtemps. C'est où? On aurait dû prendre ça dès le début. C'est où que je dois aller pour partir? Point jaune là-bas. Là où je tire là. Mais il m'a cassé mon véhicule! Bah. Je suis mort. Pourquoi? Putain! Mais tu tires des roquettes juste à côté de nous, c'est pas Borderlands! Mais on est blindés! Ah oui, donc les tanks sont immortels. Oui. Car on est américain. Aïe. Oui. Oh, on doit retrouver un véhicule maintenant. On avait le meilleur véhicule du jeu et tu l'as niqué. Il était bof en ouais, vrai. La gueuse là. Il était bof. Pourquoi j'ai plus de minimap moi? J'active ma vision nocturne. C'est vrai que c'est mieux. C'est bon, j'y vois clair. Tu sais que ça s'achète sur internet une lunette de vision nocturne?
Ça sert à... Ah, pas grand chose, mais c'est stylé. Bah, tu veux aller dans la salle de bain, mais ta meuf dort, t'as pas envie de la réveiller en mettant la lumière. Putain, je me suis dit exactement la même chose, genre pisser, aller pisser la nuit, quoi. Bah ouais, voilà. Ah ouais, je vais en prendre un. Attends, qu'est-ce qui... Y'a des gens là? Y'a un mec qui parle là. Oui. Y'en a c'est deux. Le moment d'être tactique. Gauche ou droite? Je prends celui de droite. Ok, celui 3. De gauche, je le vois pas bien. Tu vas y arriver, 3. 2. Pardon. Je me suis calé sur ton premier 3-2. Ils ont une moto. Deux motos. Putain, elles font un bruit les motos. C'est des motos électriques. C'est beau. Oh, il est pas noir. Oh, oh la vache. Oh. Oh, faut que tu viennes voir ça. Oh, bah alors. J'ai. Mon guidon est une roue. Alors. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais non, mais j'ai pas regardé un bug, c'était juste. Non, c'est juste comme ça. À vrai dire, ça passe. En soi, la roue s'est retournée, hein, écoutez. C'est des motos flexibles. Ouais. Franchement, c'est pas sur... sur moto.com. Non, attends, comment s'appelle l'entreprise qui fait des robots? Oui. Hey, on la voit partout parce qu'il y a un robot qui fait des roues là. Oui, et t'as vu, en plus ils ont commercialisé leur truc, c'est trop bien. Ouais, tu veux en acheter un? Moi oui, je l'ai reçu là. J'ai pas le droit en fait. Ah mais attends, faites une entreprise pour en acheter. Bah Gordon Gravity. Après je pense qu'il faut faire un petit speech en mode pourquoi tu veux l'utiliser, mais... J'ai besoin que quelqu'un ait cherché ma commande du livreur Uber Eats à l'entrée et me la porte devant mon PC. Je ne mange jamais avant les lives, mais avec ce robot, je pourrais me faire livrer un peu à manger et aller mieux pendant le live. Johnson. Ouais. Ok. On va repasser à un nouveau truc, donc est-ce qu'on arrête là? Qu'est-ce que t'as fait? Voyons d'abord ce qu'il a fait. Ouais, voir ce qu'il a fait. J'ai cru que j'allais me faire tirer dessus. Oh, c'est comme nous avec les civils. Ouais. En fait, c'est-à-dire que... Elle avait une arme. Bah alors, vous allez rire. Elle avait un flingue. Cette vieille dame avait un panier. Et elle a pas voulu me dire ce qu'il y avait dans son panier. Du coup... Non, elle avait une arme. Tu vois... Elle m'a pas laissé dans la main. Il crée une scène de crime. Ça suffit. J'ai déjà assez perdu de temps comme ça avec toi. Tu peux pas me faire ça. Tu peux t'en prendre qu'à toi. Non, tout ça, c'est de ta faute. T'arrêtais pas de me rabaisser. Oh putain. C'est ta faute. Ta faute. Je te jure. Mon père saura ce que tu m'as fait. Mon père en entendra parler, Potter. Espèce de lard. Tu vas le dire à ton père. C'est ça ton idée? À chaque fois que tu te vautres comme un con, tu fais porter le chapeau à quelqu'un d'autre. À chaque fois que t'as des ennuis, t'attends que ton père, le sauveur, arrive à la rescousse, hein? Eh ben, tu sais quoi? Moi, ton père, je le vois pas. Je t'emmerde, je suis un bon soldat. Un bon soldat! T'es pas un soldat, t'es qu'une pauvre merde. Et... On se calme. Vaughn, donne-moi vite ton arme. Oh allez. Là 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 là. Oh là 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 là. Walker. Il a failli me tirer dessus. J'en ai assez vu. C'est moi ou ces trous de balles bougent? Oh, oh. Ouais, ils étaient pas très statiques. Ah, oh, tu m'as spoilé un peu. Qu'est-ce que t'as foutu? C'était fini. Là, c'est fini. Et puis... Mon père en entendra parler. On va tuer ce gâchis d'oxygène. Le fantôme de... Le village s'en serait sûrement pris. Tu le vois monter. Mon père en entendra parler, Potter. Je cautionne pas, Walker.
Tu connais... Je résous cette enquête. Toi aussi. Enquête résolue. Résoudre. Oh, elle est vomi. Ouais. Mission accomplie. Et ben voilà. C'était la bêta de Ghost Recon Breakpoint. Et vous pouvez y jouer jusqu'au 29. Sur la semaine prochaine. Toutes les plateformes. PC, Xbox, PS4. Et ça c'est beau. Régalez-vous. Et avec un peu de temps, ce serait peut-être un peu plus efficace que nous. Ouais, on vous a donné une vue d'ensemble. On peut jouer comme ça ou comme ça. Voilà. Écoutez, on a pas mal joué. Non, c'est pas mal joué. Non. Les missions sont résolues. Oui. Oui, oui, oui. Donc on a bien joué. Sans problème. Go Minecraft maintenant ? Bah non. On est jeudi, c'est fini. Alors mon gourmand. Mais il est gourmand celui-là, tu attendras peut-être dimanche ou voilà. Eh non. Même pas, tu n'attendras même pas dimanche. Mais à dimanche quand même. Allez, bonne soirée et à dimanche. Et à dimanche, au revoir. Au revoir.